Bon, on se carrette. Qu'est-ce que vous êtes prête à faire ou à avoir pour que vous m'épousiez? Ça, c'est un peu indélicat, mon cher Big John. Mais répondez. Mon père vient de mourir il y a à peine 2 heures. Mais répondez. Mon père vient de mourir comme ça, il y a tous 2 heures. Je suis au courant, c'était comme un père pour moi. Là, vous parlez de mariage, là, ça devient presque bizarre d'ailleurs. Écoutez, ça deviendrait incestueux. Oui, mais justement, je pense que c'est le moment de faire front par rapport à tous ces fils de pute. Oui, enfin, si je peux me permettre le terme, bien sûr. Excusez-moi, mais le cadavre de mon père n'est pas encore froid que vous me proposez. Qu'est-ce que vous en savez? Il n'est pas encore froid. Non mais, qu'est-ce qu'il faudrait que je fasse? Dites-moi ce qui vous intéresserait. Je ne sais pas, j'aimerais trouver qui a tué mon père, déjà. Ouais, moi donc. Et j'aimerais savoir si vous n'êtes pas le coupable. Le coupable? Je ne le suis pas. Et qu'est-ce qui... Elle m'a vendu, alors on se marie. Ouais. Oh. Oui. Elle vient d'accepter. Vendu? Non, non. Bon, c'est une histoire de business. Vous aimez le business, vous êtes dans la comptabilité. Bien sûr, bien sûr. Eh bien, dans ce cas-là, vous voyez bien quels sont les intérêts pour lesquels il faut qu'on se marie. Vous le voyez bien. Oui, mais ça, mais... Bah, vous le voyez bien. Alors, vous étiez sur le sou, donc j'étais un peu... Oui, mais regardez, regardez. Hop là, en un claquement de doigts. C'est vrai que vous avez la police dans votre poche. En un claquement de doigts. Ouais. C'est un oui. Je pourrais vaquer à mes occupations et vous m'en trouverez pareil. Que vous voulez. Vous pourrez aller baiser tout New York. Un peu tenu, s'il vous plaît, je suis issu d'une haute famille, sûr. Quand même. Bien en sûr. Tout cas, faire ce que vous voulez. D'accord, très bien. Mais je veux que vous l'annonciez, publiquement. Il faut que ce soit à notre public. Retour. Si jamais tu veux t'y engager vraiment, il faut que ce soit à la table. Allez. Vous arrêterez de me faire chanter. Oui. Très bien, merci. Scarlett. J'ai oublié un truc. Ah non, Scarlett, la main a été serrée. Scarlett. Big John m'a pris à part et quand j'ai vu son regard, je suis tombée sous le charme. Quoi? Alors effectivement, quoi? On ne tombe pas sous le charme au premier regard, ni au deuxième, ni au troisième, mais là il s'agissait du quatrième coup d'œil que j'ai lancé. Et oui, messieurs, dames. Attends, qu'est-ce qui s'est passé? Je dois l'entendre. Hein. J'ai décidé de conclure un accord avec ce cher Big John. Quoi? Et de me marier avec lui. On fera ça dans les papiers avec l'héritage. Merci. Prendre une bière de coup. Merci à tous d'accueillir aussi chaleureusement cette grande nouvelle pour moi, ça Scarlett et moi-même, bien sûr.